Bonjour. Aujourd'hui, nous allons ensemble jouer. Malaise TV, c'est pour toi. Des fois, il faut que j'apprenne à juste continuer les essentiels, à savoir YouTube, tout le monde sait ce que je se trouve sur Got & Glory, voilà. Comme ça, je suis à l'abri de tout malaise, tout se passe bien. On est sur Got & Glory, souvenez-vous, c'est le jeu, l'espèce de Happy Wheels en 3D. Hein, et c'est aussi la vidéo avec la miniature la plus dégueulasse de YouTube de ces deux dernières années. Merci Lucas Auchard. C'est pour vous. Hein. Il y a eu des nouveaux levels comme on peut les voir ici présents, donc on va s'empresser de les faire. On commence avec Home Wrecker. Oh, ceci est un nouveau personnage. La famille Yang. Mais moi, je prends la famille Yang. Pourquoi elle est pas valable? Putain, voilà. Raciste de merde, va. Bon, bah, on prend Earl. On prend le Ruskov avec son beau shotgun dans le coffre. On est paré, mec. On est paré. Ah, non, j'ai perdu la cajotte, pas la cajotte. C'est bon, j'ai la batte baseball. Non, pas la batte baseball. On est type A. On part sur du Willy, sur du cassage de glace. Pour le moment, c'est tranquille. Ah merde, c'est pas là. Shit. Ça va, tu résistes, t'es un bonhomme. T'es un petit peu en caoutchouc. Ah, on va pas te mytho, on t'a grillé. Ah, il y a des arbalètes qui me tirent dessus. Est-ce que c'est normal? Non. On y va, YOLO. Backflip. Il y a l'arbalète. Ah putain, faut qu'on esquive l'arbalète, mec. Ah, respect immobile. Oui. Earl, tu saignes l'anus, tu feras attention. Toujours pas de famille Yang, mais putain, quand est-ce qu'on va pouvoir la prendre? Ouh là là, c'est quoi ces trucs qui roulent? C'est pas des bombes, ça, à tout hasard? Non, c'est des pastèques. Ça va, tout se passe bien. Ah, c'est humiliant de faire des cris comme ça. Je sais pas ce qui me prend ce moment, je crie pour rien, c'est incroyable. Allez, cette fois on esquive, on va contourner, tu vois, on va passer assez loin du canon. Allez, putain, mais chez quel concessionnaire t'as acheté ce quad, mec? J'ai jamais vu un quad aussi peu maniable. Allez, bolos, allez, bolos. Ah! T'es pas un bolos, pardon. Earl, tu feras attention, tu saignes l'intestin maintenant. Bah, mec, mais t'es mal. Mais regarde le quad, tu l'essayes, tu ne l'achètes pas. Putain. Let's do this fucking shit, comme dirait ma prof d'anglais. Allez, on y va, c'est gagné. Ah non, c'est pas fini. YOLO! Oh putain, mais en plein dedans quoi! Attends, comment faire? Je pense qu'il faut arriver plein de balles. Comme ça. Non, vraiment pas. En fait, faut y aller comme ça, je pense. Là! Il est pas là! Si quelqu'un y croit, il lève la main. Oh! Tiens! Tiens, je sais qu'il y a personne qui a levé la main, bah dans ton cul! Il y avait une pastillette à gagner, mon pote! Mais non, à ce moment-là, on arrête tout, on fait une vidéo, on joue au cap-là quoi! En plus, j'ai acheté un deuxième pot de fleurs, donc j'en ai 4 au lieu de 2. Faire des constructions de ouf, hein. Lourd ou pas? Alors, level suivant, toujours avec Earl. 600 mètres d'objectif, mon gars! Mais c'est quoi ça? Bah, c'est marathon de Paris qu'on fait là? Ah, ça va que ça fait des. Oh, c'est beau! Oh, c'est super beau ce que vous faites, les gars! C'est super beau! Ah, oui, par contre, la chute est moins belle. Je pense qu'en passant par là, déjà, on a plus de chances d'y arriver. Adieu! Laissez-moi après de ce caillou, me reposer en paix. Vous n'avez donc aucune pitié. Donc ça c'est un level de difficulté moyenne. Là on passe sur du hard, c'est parfait. Toujours avec... Bah allez, t'es quoi de son, j'ai toujours préféré le vélo. Voilà, ce sera bien mieux que le gars avec son quad pourri là. Un vélo c'est bien plus maniable. D'accord. Et ben, on va prendre Earl, j'ai compris. On va prendre Earl et son quad. Let's do this shit. Parfait, on va y arriver. Tout est une question de timing. Là on a d'accélérer. Du coup on passe le truc. Ok, faut ralentir là. Là faut accélérer avant que le... Mais magnifique, magnifique. Parfait. Parfait, allez recule, comme ça on a esquivé la scie. Mais comment je passe là avec un quad? Oh, YOLO bitch. Bon bah les coups je peux encore conduire, j'ai un petit sur la pédale. Oh putain c'est beau, oh putain c'est beau, j'y arriverai, vous m'aurez pas. Oh, oh oui, j'ai vu de vous passer le bon bah les couilles. Excellent alors. J'ai jamais changé de level aussi vite. Hardwood, fais-moi rêver. Raté. Surprise, motherfucker. What? Le prochain checkpoint il est à 200 mètres mon gars. Ah. C'est bon. Oh la chatte qu'on a eu, c'est incroyable. Oh oui. Passionnant ce jeu. Oh merde. Voilà, c'était la vanne de trop. Mais non, je vous jure qu'il tourne à droite tout seul. Non, je vous promets. De toute façon j'ai vu dès le début son bras il est né. Il était un petit peu affaissé là du côté droit. Donc il a moins de patates pour tenir le guidon. Miles TV, je te régale aujourd'hui. Voilà, ça me pète les couilles, arrête les conneries là. Et vive le checkpoint! Bon bah les couilles de ton arbre, je suis une figure stylée. Merci ma petite chauve-souris, tu peux t'en aller. On t'aime. Les troncs d'arbres, mais qui se fait encore avoir par les troncs d'arbres sans déconner. Putain. Putain les gars, là ça devient hardcore du Nord, mais vraiment quoi. Hardcore Henri, le film un peu pourri filmé à la première personne. Bah je vous le dis, j'ai commencé à le regarder, c'était vraiment de la merde. Allez on y va, il passe maintenant, allez on peut y aller. Oui, putain. Me dis pas quoi finir un niveau en difficulté arbre. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. Il va y avoir une mine, un truc. Merci à tous.
Et voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo sur God and Glory. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu. J'adore ce petit jeu, je le trouve très sympa. Là, les levels, par contre, il faut un niveau de skill plus proche du Mikalo que du Squeezie, quoi, sur l'échelle du skill. Ce qui serait drôle, en vrai, je trouve, ce serait de pouvoir faire des courses comme ça en multi. Ce serait fantastique. Tu démarres côte à côte avec tes potes et tu t'envoies un se prendre une scie, t'exploses de rire, voilà, enfin, tout ce qu'on aime. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je suis le Batman.